Bonjour. Alors, attendez. Moi j'ai un chat ici. Bonjour. Alors, je me permets de faire la petite vidéo. Parce que là, vous avez fait une mini vidéo pour dire que. Là, peut-être pour la morsure, tout ça. Donc, voilà, je voudrais vous expliquer quelque chose. C'est que. Il ne faut pas. Quand vous voyez qu'un animal, votre animal arrive dans cet état, vous prenez rendez-vous chez le vétérinaire, vous l'amenez chez le vétérinaire. Ne venez pas nous poser des questions sur les groupes de pendules, etc. Non, non, non. Vous l'amenez chez le vétérinaire. On ne laisse pas un animal comme ça. Hein? Moi, j'ai eu un petit chat noir. Justement, ça m'a fait bizarre de revoir la photo parce que j'ai cru que c'était le même chat, quoi. Un petit chat noir, donc, une association a pris et est allée... Non, c'était pas mon chat, hein. L'a amené se faire opérer chez le vétérinaire parce que moi je pensais qu'il avait été mordu par un autre animal et finalement, alors ça a un nom, je sais pas comment ça s'appelle, des fois les petits chats quand ils forcent, quand ils font leurs besoins, ça peut leur faire une déchirure anale, on pense que c'est une morsure et en vérité il y a un petit bout d'intestin qui commence à vouloir sortir de l'endroit où il fait ses besoins. C'est pour ça que ça, je vous l'avais marqué. Donc, comme là, je ne sais pas, il n'y a que le vétérinaire. Amenez-le. Amenez-le, le vétérinaire vous dira. Mais n'attendez pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ait un animal et qu'on attende. Et qu'on pose des questions dans un groupe de pendules pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais s'il vous plaît, vous avez un animal, vous en occupez, c'est à vie. Sinon, dans ce cas-là, vous prenez une peluche. Voilà, vous ne prenez pas d'animaux. Moi, dès que j'ai un de mes animaux qui arrive, je vois que quelque chose ne va pas. La dernière fois, Titi, ce chat qui est venu m'adopter, il était enflé là, en bas, à la bouche. Bon, je me suis dit, c'est fait piquer par un insecte. Je prends rendez-vous chez le vétérinaire. Eh bien, il a regardé, il avait une infection dans la bouche. Oui, ça arrive aux animaux, ils ont une infection. Heureusement que je l'ai amené, heureusement que je n'ai pas attendu que ça passe. En me disant, tiens, je vais lui mettre une petite crème contre les piqûres d'insectes. Non. Non. Et là, d'ailleurs, je vais le ramener parce qu'il faut qu'il voie si ça va mieux ou pas. Donc, il a déjà eu ce problème, ce chat, parce que c'est un chat qui a été déjà abandonné 3 fois. Donc, il a un problème de santé. Donc, ce que je veux dire à tout le monde, s'il vous plaît, vous avez un animal, vous vous en occupez. L'animal, vous voyez qu'il a un truc, vous l'amenez chez le vétérinaire. Sinon, on ne prend pas d'animaux. On ne prend pas d'animaux. Achetez-vous une grosse peluche. Voilà. Je le dis parce que là, ça me met en colère des choses comme ça, quoi. Hein, si c'était vous hein, qui avez un gros problème, vous allez voir le docteur. Ah ben oui, vous allez voir le docteur ou vous allez à l'hôpital, tout ça. Ah ben oui, parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et la CMU et la mutuelle. Ah ben oui, vu que c'est pris en charge, là vous y allez, il n'y a aucun problème. Votre animal, il faut payer. Ah non, non, les gens, ils ne veulent pas payer. Mais par contre, les gens, ils sont capables de s'acheter de l'alcool, de la cigarette, d'aller faire des barbecues entre potes, etc. De s'acheter plein de trucs pour eux. Mais, ah, dit qu'il faut amener l'animal, n'importe lequel, chez le vétérinaire. Ah non. Ah non, là, c'est payant, là. Ah non, non. Mais franchement,